Opa. Opa. Que veut dire doucement en grec hein. Vous ne savez pas, je vous l'apprends aujourd'hui. Kerel, l'ami. Un mer. Toi, tu navigues avec Barnabas à bord de l'Adrénie. Comment le sais-tu, étranger? J'ai navigué avec lui, moi aussi. Ah, désolé pour ta blessure. Le pire, c'est que j'ai toujours rêvé de naviguer avec mon fils. Donc, tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que... Ah bah bien sûr. Tiens, allez, vas-y, tiens. Quelle générosité. Elle est sur au travail. Ah oui, ça ramène de XP quand même. Allez, Barnabas. Alors, dis-moi tout. Tu as tué ton père? Pour faire. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un pauvre parricide. Nicolaos m'a élevé. Et c'est mieux ou c'est pire? Peu importe après tout. Merci. Je suis content de t'avoir avec moi, Barnabas. Ouais, et moi, je suis content d'être là. Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Où est-ce qu'on va, capitaine? Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent. Et une explication. Bien, Alexios. Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à pour lui, une explication, si tu es quelqu'un. Parce que moi, je le tuais, le Pénor. Les prédictions de l'oracle ont détruit ma famille. Eh ouais. La Pythie détient la sagesse d'Apollon en personne. Si nous avions ignoré la Pythie, ma sœur serait toujours en vie. Et ma mère, en sûreté, chez nous. Au travail, alors. Il vit au débarcadère des pèlerins. Mais en mourant, Nicolaos m'a dit de me méfier des serpents dans les herbes. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout à Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Ah, il ne dit pas tout, il ment. Oh, Alexios, avec toute cette agitation, j'ai failli oublier. À ma vieille baraque, elle tenait à peine debout déjà. Non, je veux parler de Kefalonia. Une maladie a frappé toute l'île. On dit qu'elle a commencé à Chaosos. Apparemment, il n'y a pas de remède et beaucoup sont morts. Malaka. Ce prêtre avait raison. Si tu le souhaites, nous pouvons à tout moment revenir à Kefalonia. Merci, Barnabas. Je m'en souviendrai. Allons-y. Allez, on l'a. Au poste de navigation, capitaine. Te revoilà. Ouais, niveau 11. On peut repêcher ça. C'est la classe, hein. Allez, c'est la vérité. Oh, Mystios. Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement, comme convenu. Ok. Tu t'attendais à ce que j'ergote? Allons, Alexios. Ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Connard. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père, n'est-ce pas? Ah ouais, non, mais je te crève. Je ne serai plus ton pantin. Oh, quelle déception. Je te crève. Je vais le crever, ce mec. Hop, tout est mort.
je peux pas son grand bouclier, c'est vrai. Qu'elle est petite. Tiens, top, un coup de pied spartiate là. Crève. El Pénor s'est enfui, il se lâche. Je ferai bien d'examiner sa maison. Voilà. Ah oui, donc c'est un gros lâche. En plus, c'est une déjà avant de m'envoyer là-bas. Oh, Fouibé. Tu l'as conduit jusqu'à moi. Chier. El Pénor recherche donc une femme. Je me demande qui cette fouine cherche à manipuler. C'est un manifeste de navire. El Pénor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres. Mais aucun d'aussi perfide qu'El Pénor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et je tuerai ce serpent. C'est clair, c'est un serpent. C'est un lâche en plus. Il fait quoi ce vieux là? Va se coucher toi. Confirmé de l'assassinat. J'en assassine des mercenaires. Bon, bah, je vais vous laisser là et puis on va aller chercher El Pénor au prochain épisode. Oh, les belles brassards de Thésée légendaire. Pour tous ceux qui aiment les mythologies, surtout grecques, hein, du coup. Oh putain. Et même le casque. Moi, je commence à avoir du stuff. Allez, ciao.